pour faire le point sur l'actualité politique, économique, nationale et internationale. Nous avons débattu de, principalement trois points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Le porte-parole de l'opposition Philippe Mbaye a bénéficié d'une audience du président de la République lors de cette rencontre informelle. Il a profité de l'occasion pour mettre sous la table quelques revendications de l'opposition pour faire avancer le débat politique. Hier encore, nous avons rencontré une délégation de l'opposition, le ministre de l'administration du territoire, dans le sens d'ouvrir enfin ce dialogue politique qui a trop tardé à se mettre en place. Nous avons déploré en effet que deux mois après qu'il a été saisi par nous d'un courrier où on présentait nos propositions pour l'ouverture du dialogue, qu'on n'ait reçu aucune réaction, et que plus de deux semaines après la rencontre entre le président de la République et le chef de file de l'opposition, rencontre au cours de laquelle le président de la République a fait sauter le verrou qui empêchait l'ouverture du dialogue, à savoir son engagement personnel à veiller scrupuleusement à l'application de décisions issues des accords antérieurs et à venir, alors que le lendemain même, l'opposition s'était déjà engagée à aller à ce dialogue, puisque l'unique préalable que nous avions posé avait été satisfait. Hier, donc, le ministre de l'Administration du territoire nous a invités à discuter avec lui de quelques questions particulières, notamment sur la réaction, sa réaction vis-à-vis des propositions que nous avons eu à faire depuis le 25 juillet. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de lui une lettre officielle faisant état de ses commentaires ou de ses contre-propositions par rapport à ces suggestions. Donc nous avons discuté d'abord du cadre de dialogue. Nous avons dit que nous tenons à ce que le cadre de dialogue soit composé comme suit. D'un côté, l'opposition, la vraie. De l'autre, la mouvance présidentielle composée du gouvernement, du RPG et des partis qui lui sont alliés, avec un président dirigé par une personnalité consensuelle, reconnue pour ses qualités de médiateur, une personnalité neutre et impartiale évidemment, assistée de deux facilitateurs qui seraient désignés par chacune des deux parties. Nous avons également parlé de l'ordre du jour du dialogue. Nous avons estimé qu'à partir du moment où on voit un dialogue, l'ordre du jour ne devait pas être limité. Toutes les parties qui proposent un ordre du jour, qui reflètent leurs préoccupations, doivent être satisfaites parce que ces ordres du jour doivent être acceptés pour qu'on en débatte sans préjuger d'un accord possible ou non. Donc nous avons donc retenu que l'ordre du jour que nous avons proposé et qui se décline à 6 points allait effectivement être pris en compte. Et toutes ces questions ont été discutées, notamment essentiellement la question de l'opposition. Nous avons tenu à ce que l'on sache très bien qu'il y a une opposition qui est très connue, et de par l'application des dispositions légales existantes aujourd'hui dans ce pays, et qu'il ne faudrait pas que le dialogue soit noyauté ou soit parasité par certaines entités qui viendraient semer certaines confusions au cours de ce dialogue. Donc finalement, nous nous sommes mis d'accord sur la date d'ouverture du dialogue. Ce sera le jeudi 22 prochain, et à 10h en Angleterre. Et nous avons donc estimé que cette fois-ci, la voie est balisée pour que ce dialogue puisse enfin s'ouvrir après des mois et des mois d'atermoiement. Nous saisissons l'occasion pour encore une fois renouveler nos félicitations et nos remerciements à l'ensemble de nos militants, de nos sympathisants, de tous ceux qui, par leur mobilisation, lors de la manifestation du 16 août dernier, ont montré à la face du gouvernement, à la face du régime, que les Guinéens sont déterminés à ce que la démocratie s'enracine et que la gouvernance soit améliorée. Nous avons également parlé, évidemment, puisqu'on a les perspectives d'ouverture du dialogue qui s'annoncent, nous avons évidemment harmonisé nos positions par rapport aux différents thèmes qui vont être débattus au niveau de ce dialogue. Donc nous avons harmonisé nos positions et nous allons donc désigner tout prochainement une équipe de négociation qui va aller au dialogue muni justement des recommandations et des orientations que la plénière va lui faire. Donc c'est ça l'essentiel de nos discussions. Quels sont ces noms? C'est non. Le point de l'ordre du jour, je vous le rappelle. Le premier point, c'est l'examen, même pas la discussion, je dis, l'examen pour l'application. Pour définir les modalités d'application et le calendrier de mise en œuvre des résolutions qui sont contenues dans les accords politiques précédents, notamment dans l'accord du 20 août 2015, qui récapitule toutes les dispositions non appliquées des accords de 2013, 2014 et 2015. Deuxième point de l'ordre du jour, c'est les élections communales. Nous avons donc déploré que la CENI s'engage déjà
frénétiquement dans la mise en œuvre de nos programmes qui, normalement, auraient dû faire l'objet du débat au niveau de ce cadre de dialogue, de manière à ce qu'il y ait une position consensuelle en ce qui concerne non seulement la nature des élections organisées, mais également la date de ces élections pour l'an. Donc, nous avons débattu, nous allons discuter de cette question en demandant, en recommandant à ce que pour le moment, donc, la CENI gèle effectivement ses activités, comme on l'a fait en 2013, comme on l'avait demandé également en 2014, car il ne sert à rien d'aller en dialogue pour discuter d'une question qui est en train d'évoluer perpétuellement avec la mise en œuvre d'un chronogramme qui n'est pas consensuel par la CENI. Le troisième. Absolument, parce que nous ne sommes pas du tout d'accord, a priori en tout cas, nous ne sommes pas d'accord qu'on se limite aux élections communales. L'accord du 20 août 2015, et c'est sur cette question qu'on viendra de toute façon dès le premier point de l'ordre du jour, stipule l'organisation des élections communales et locales. Donc c'est le couplage de ces élections qui est prévu dans l'accord et la CENI a décidé de le découpler sans avoir le cutis de la classe politique, sans avoir le cutis de ceux qui ont signé cet accord. Donc nous avons un troisième point de l'ordre du jour, c'est la mise en place de la Haute Cour de justice. Le quatrième point, c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale et des institutions constitutionnelles, parce que l'Assemblée nationale est très loin de jouer aujourd'hui le rôle qui lui est dévolu de par notre Constitution. Elle ne contrôle pas l'action de l'État. Toutes les initiatives de l'opposition sont étouffées dans l'œuf, parce qu'on ne peut pas s'y exprimer. Jusqu'à aujourd'hui, aucune commission d'enquête parlementaire n'a pu être mise en place, aucune résolution initiée par l'opposition ne prospère. Donc toutes ces questions font que notre Assemblée nationale ne joue pas son rôle. D'autant qu'elle n'a même pas encore de règlement intérieur actualisé, car le règlement intérieur dont nous disposons et sur lequel nous fonctionnons, il est totalement obsolète, puisqu'il est vieux d'un quart de siècle, j'aime souvent le dire, c'est-à-dire de 25 années. Il y a aussi deux autres points.